le ministère des Affaires étrangères qui joue également sa partition pour le compte du fonds de soutien patriotique et vient de contribuer à hauteur de 33 millions de francs CFA, un don en vivres et en non-vivres destiné essentiellement au ministère en charge de l'action sociale et celui de la défense. La remise dans ce commentaire signé Frédéric Nikiema. 33 581 940 francs CFA, c'est la part contributive du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur à l'effort de paix. Un don réparti entre vivres et non-vivres, dont des fournitures scolaires pour les familles des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que celles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Le tout pour un avenir meilleur au Burkina Faso. Cette modeste contribution permettra de soulager tant soit peu la souffrance des personnes victimes du terrorisme. En effet, je reste convaincu que la solidarité agissante est le premier ferment qui doit nous guider pour faire face à la désolation que ces terroristes ont occasionnée au sein de nos populations. Nous saisissons la présente occasion pour saluer et féliciter l'engagement des travailleurs de tous les ministères et institutions pour les résultats obtenus dans ce cadre. L'ensemble des dons mobilisés sont mis au profit des ministères en charge de la défense nationale et de l'action humanitaire. Un geste rendu possible grâce au soutien financier de la République populaire de Chine, gage de la bonne coopération entre les deux nations. Les deux ministères bénéficiaires saluent la marque de solidarité du département en charge des affaires étrangères. Ils encouragent le ministère à plus d'initiatives dans ce sens avec d'autres partenaires du Burkina Faso.